Coucou à toutes et toutes. Donc, heureuse de vous retrouver les Verseaux donc pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 mai 2022. Avant de commencer, un grand merci à vous tous les Verseaux donc pour votre présence, pour votre confiance, pour votre soutien. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Merci pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, donc je prends le temps de tous les lire, hein, de liker, hein, pour vous montrer que j'ai bien vu vos messages. Ça me demande un petit peu de temps parce que il y a beaucoup de messages. Donc voilà, mais je prends toujours un petit peu de temps. Hein, je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard. Donc on va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors, votre premier message, les Verseaux, pour la semaine. Oh! Eh bien, il est sorti tout à l'heure, chocolat. Donc, on va parler de gourmandise encore. Donc, pour vous, les Verseaux, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Vous avez envie de croquer à pleines dents, hein, donc, dans la vie, peut-être par rapport à quelqu'un également. Donc, on va continuer avec l'oracle du miroir. Donc, attendez, excusez-moi. Je fais une petite. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause. Alors, allons-y. Donc, avec l'oracle des miroirs, on va aller compléter ce premier petit message. Donc, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Donc, couleur chocolat. Alors, allons voir qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 16 au 22 mai 2022, les Verseaux. Alors, allons-y. Avec l'oracle des miroirs. On parle de contrat, de signer un contrat. Alors, il y a peut-être eu un échec, hein, pour signer un contrat, pour conclure un accord avec quelqu'un là. Ouais. On parle de plaisir. On a eu du mal à se projeter peut-être avec quelqu'un. On parle de changement, de faire un nouveau projet. Et on parle d'avoir des correspondances là. Hein. Ouais. Oh, miroir magique sur la joie, sur une union. Alors peut-être que ouais, il y a eu peut-être un problème d'entente avec votre autre, la personne de votre cœur, j'ai envie de dire, parce que là, on va partir sur une histoire de cœur. Hein. Il y a une union, hein, entre vous, hein. Mais ça a peut-être échoué au début. Alors pourquoi? On va aller voir ça. Alors, allons-y. Alors, je vais pousser un petit peu. Tout ça. Alors, les Verseaux, pourquoi ça a échoué au début? Parce qu'on voit que c'est qu'un échec, hein. L'échec ne veut pas dire que c'est perdu, hein. Donc, j'ai l'impression que certains, en fait, vous aviez l'impression, en fait, que la personne ne voulait que du plaisir et pas du sérieux, en fait. Et du coup, ça a échoué, hein. Parce que vous, ben voilà, vous aviez envie de vous projeter. Et du coup, c'était impossible de se projeter avec cette personne, hein. Ouais, on parle de retour, hein. Il y a un retour, là. Un retour de bâton aussi, hein. Ouh, on a la jalousie. Alors peut-être qu'il y a un retour de bâton, j'ai envie de dire, par rapport à votre autre, par rapport à la personne de votre cœur. Peut-être qu'elle s'est amusée à vous rendre jalouse ou jaloux. Et là, il y a un retour de bâton, c'est elle qui est jalouse là maintenant. J'ai la personne de votre cœur qui croit que vous avez rencontré quelqu'un. Ouais, on est vraiment dans des énergies de plaisir. Hein. Vous prenez beaucoup de plaisir en ce moment. Et ça, elle s'en rend compte. Du coup, elle est un petit peu jalouse de ça, cette personne. Hein. Ouais, on parle de nouveaux projets à venir. Hein. Peut-être même un projet de bébé pour certains d'entre vous. On parle d'un contrat qui va arriver. Il y a un accord. Hein. On parle de changement dans votre entourage. Changement, ça veut dire, oui, il y a un bébé pour certains d'entre vous. Hein. Il va y avoir la naissance. Hein.
d'un nouveau membre dans votre famille. On parle, voilà, vous saisissez les opportunités là, hein, vous travaillez avec la chance qu'on vous offre hein, dans votre vie. On parle d'un homme hein, et de souhaits qui vont se réaliser pour moi. Hein. Je vais reprendre, je vais recouvrir. Hein. Ouais, il y a un retour de bâton par rapport à votre hôte là. Ici, attendez pas. Hein. Ici, attendez pas. Je recouvre comme j'ai pas. Du coup, je prends le temps de recouvrir. On me dit que pour avoir plus de précision par rapport à cette histoire. Hein. Ouais, il y a séparation. Cette personne s'est séparée de vous, mais là, ben, je sais pas, elle s'est séparée. Alors, il y a une victoire. Hein, on va fêter quelque chose. Il y a un certain temps qui passe hein, quand même. Hein. Il y a un certain temps que vous êtes séparés. Vous allez être séparés ou vous êtes séparés depuis un certain temps. On parle de travail à la maison par rapport à son foyer, à construire son foyer. On parle d'équilibre, hein, de trouver son équilibre. Et bah, la nouveauté, c'est le retour hein, de l'amour. Hein. Alors, est-ce que c'est cette personne qui s'est séparée de vous ou est-ce qu'il y a un nouvel amour? On va aller voir ça. Mais en tout cas, il va y avoir de la jalousie là. Donc, il peut avoir le retour. Hein. Ouais. Il ne sait pas. En fait, il ne sait pas si vous êtes. Alors, peut-être que vous êtes. Vous avez retrouvé quelqu'un d'autre. Hein. Ou peut-être pas. Mais lui, il a cette sensation que vous avez peut-être trouvé ou elle. Hein. Cette personne, la personne de votre cœur, elle a l'intuition en fait de se reprendre ben, le retour du bâton là. Ou qu'elle pourrait se prendre un retour de bâton. Que vous pourriez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Et là, elle a la sensation, pour moi, elle a la sensation qu'il va falloir qu'elle fasse tourner très vite la roue, que le froid qu'elle a mis entre vous. Il va falloir que redonner un petit peu de chaleur, hein, on me dit. Hein. Revenir surtout, hein, si elle ne veut pas vous perdre. Hein. Ouais. Ça le met dans une sacrée. Ou ça la met dans une sacrée solitude. Hein. Ouais. Il y a un nouveau projet. Moi, j'ai envie de dire, en fait, là, cette personne va beaucoup vous espionner aussi. Hein. Ouais. Il y a vraiment un contrat. Hein. On passe un accord. Il y a une conciliation. Alors, sur l'entourage. Ouais, il y a un enfant. Hein. Il y a un changement. Il y a de la nouveauté, en tout cas, dans votre entourage. Alors, soit c'est cette personne qui revient dans votre entourage hein, et vous faites des changements. Il y a quelque chose de nouveau pour vous ou pour certains, c'est carrément le projet d'un enfant. Un enfant qui arrive. Ouais, la chance, c'est qu'il y a de la correspondance à revenir. Hein. Il y a l'homme qui vous a trahi, hein, ou qui se sent trahi, là. Il y a une personne qui se sent trahi. Elle est dans le mental, hein. Elle a l'impression que... Alors qu'il y a séparation, donc il n'y a pas de trahison. Mais là, ouais, elle est blessée, en fait. Elle se dit, si elle est avec quelqu'un, là, elle se dit que bah, par sa faute, en fait, bah, il se blesse tout seul. Hein. Il s'est planté un couteau dans le cœur tout seul, hein, ou toute seule, hein, si c'est une femme. Hein. Ouais, il y a beaucoup de joie, hein. Moi, il y a même des célébrations hein, de mariage ou autre. En tout cas, il y a une union. On souhaitait une union avec cette personne et on dit qu'il y a beaucoup de joie à arriver. C'est magnifique. Hein. Ouais. Il y a une personne qui a mis un grand silence entre vous, qui s'est séparée, qui ne communiquait pas. Et c'est ça le problème. C'est qu'elle a du mal à savoir ce qui se passe réellement dans votre vie. Donc, elle est obligée d'espionner parce qu'elle a mis un silence. On me dit que cette personne vous a bloqué partout. Et l'ennui, c'est qu'elle ne veut pas vous débloquer. Pourtant, ça lui ramènerait de l'énergie de vous débloquer. Elle pourrait reprendre contact, mais pour l'instant, elle ne vous débloque pas. Parce que si elle vous débloque, bah, vous allez vous en rendre compte, quoi. Alors, allons-y, avec la triade, on va recouvrir une première fois. Mais elle a des sensations. Oh, elle a de la... il y a de l'amour hein, à venir. Hein.
Oh, il y a son cœur qui bat là. Hein, à cette personne. Hein. Elle vous désire beaucoup, on me dit. Hein. Ouais, on parle d'union et d'erreur. Hein. Il y a une personne là qui se rend compte qu'elle a fait une erreur. Elle a mis fin. Elle pensait s'élever, hein, prendre de la hauteur en mettant fin. Et en fait, bah, elle se rend compte que c'est une grosse erreur. Hein. Ouais, il y a le silence. Hein, elle a mis un silence. Elle a bloqué les communications sûrement. Et du coup, c'est compliqué pour retrouver une stabilité là. Hein. Elle est dans l'épreuve. Hein. Elle sait qu'il faut qu'elle fasse le voyage vers vous là. Hein. Qu'elle vienne vers vous. Hein. Il faut qu'elle puisse répondre à ces questions. Là, elle a des doutes et elle a besoin de communiquer hein, pour savoir ce qu'il en est. Hein. Ouais. On a la femme et la solution. Sans vous, il n'y a pas de solution. Sans communication, elle ne pourra pas trouver de solution. Hein. Ouais. Ok, on va continuer. Donc, on va recouvrir. Ouais, elle sait que sans vous, de toute façon, hein, si elle ne répond pas à la communication, ça va être difficile de trouver une issue. Hein. Ok. Bah oui, c'est sûr que si elle reste dans le silence, hein, si elle ne dit rien, si elle ne révèle pas ses sentiments hein, par rapport à vous. Elle voulait rester dans le plaisir, dans la légèreté avec vous. Elle ne voulait pas, voilà, d'accord. Je pense que qui dit pas d'accord, qui dit pas de fin avec vous, sauf que la fin, ben, même sans s'engager, ben, elle se rend compte qu'il y a une fin, hein, qu'il peut y avoir une fin. Mais je ne sais pas, elle s'imaginait peut-être que vous n'alliez peut-être pas retrouver quelqu'un de si tôt ou que vous étiez trop attaché à elle et elle s'est rendue compte ben, en vous bloquant, mais vous avez gardé le silence. Alors, elle vous a peut-être pas bloqué complètement, mais elle se rend compte que vous ne revenez pas vers elle. Hein. Alors, elle se dit, si elle ne revient pas vers moi, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Mmh. Ouais. Là, elle se fait du mal, hein, la personne. Hein. Là, elle est vraiment dans l'ego, elle est vraiment dans le mental, elle se fait du mal, elle s'imagine, mais tout et n'importe quoi. Hein. Ouais, elle sait que le changement, il faut qu'elle revienne vers vous. Hein. Il faut qu'elle fasse le voyage vers vous. Hein. Ouais. Mais elle laisse le temps, en fait. Hein. J'ai l'impression que... elle est de mauvaise foi, cette personne, parce qu'elle voudrait que ça soit vous qui reveniez. Mais c'est pas à vous de revenir. Hein. Mais ça serait tellement plus facile. Hein. Elle vous espionne. Hein. Mais elle voit rien. Elle sait pas. Elle voit rien. Ouais. Elle a porté un masque, hein, cette personne. Hein. Ouais. Donc, la correspondance, hein, les échanges, hein, que ce soit par message, par téléphone, vont permettre de ramener une stabilité. Hein. Ouais. Il y a trahison, c'est l'autre personne. Hein. Trahison, silence, hein. Silence radio. Hein. Ouais. Et il y a la lumière. Bon, c'est très positif. Hein. C'est très positif, mais j'ai l'impression que ça va être long parce qu'elle attend vraiment que vous reveniez, en fait. Elle attend un signe de votre part, hein, alors que c'est pas à vous de faire signe de vie, quoi. Ouais, on a la paix. On va faire la paix. On parle de peine, quand même. Hein. Y a une prise de conscience de la peine qu'on vous a fait. Et il y a un équilibre qui revient. Après, il y a un équilibre, ouais, et on fait un pacte en amour. Hein. Elle va vouloir s'engager avec vous, cette personne. Ouais, elle veut quelque chose de nouveau. Elle veut plus être dans l'adversité, hein. Elle ne veut plus être dans le mensonge. Hein, et il y a de l'abondance. Hein. Y a de l'abondance pour vous, les Verseaux. Mais je ne sais pas, cette personne, elle attend que... Ouais, je pense qu'elle a attendu longtemps qu'en fait, vous reveniez parce qu'elle pensait que vous étiez hyper attaché à elle. Sauf que ça ne s'est pas passé comme elle pensait. Et elle s'est retrouvée dans une grande solitude, là, parce qu'elle croit que vous avez trouvé quelqu'un d'autre, là. On va continuer avec la petite étoile de Angel Lumière Divine qui a sa chaîne YouTube.
Donc, si cet oracle vous intéresse, n'hésitez pas à aller prendre contact avec elle. Alors, nous avons, ouais, laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu. Vous avez laissé tomber hein, cette histoire, hein, vous êtes passé à autre chose, vous avez lâché prise, et là, on vous dit que vous allez accueillir quelque chose d'inattendu, là. Alors, peut-être que vous avez fait vraiment la rencontre de quelqu'un, hein. On vous dit que la nuit porte conseil. Prenez votre temps. Prenez le temps de réfléchir. On vous dit de toute façon que la nuit porte conseil. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça ne sera pas si inattendu que ça pour vous, hein, que cette personne reprend contact avec vous. Mais ouais, laissez peut-être. Elle va peut-être vous envoyer un message un soir. Et on vous dit de laisser peut-être la nuit passer, en fait, hein, pour répondre. Hein, ou vous allez peut-être prendre cette décision. Ouais. On a le cœur, la détermination. Ouais. Il y a un nettoyage énergétique. Hein, il y a l'univers qui balaye toutes les énergies négatives autour de vous également. Vous allez toujours plus haut, hein. Vous avancez de toute façon, vous avancez et c'est marrant, mais prenez votre temps. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme quelqu'un qui chuchote hein, des choses méchantes sur vous. Hein. Il est peut-être pas bien ou elle est peut-être pas bien conseillée là hein, dans son entourage, parce qu'il y a des personnes qui portent des masques, on a vu. Hein. Alors attention à votre entourage aussi, hein, également. Mais j'ai de la joie, hein. J'ai du bonheur. On a le petit taureau là. Ouais, on parle vraiment de la nuit, hein. Prendre son temps. On vous dit prenez le temps de répondre. Parce que vous avancez hein, dans d'autres domaines, sans doute. Donc prenez le temps de répondre. Ne vous précipitez pas, en fait, on vous dit. C'est ça parce que cette personne, elle croit que vous allez revenir très vite, en fait. Il est un petit peu imbu, elle est peut-être imbue, ou il est imbu de sa personne, et elle croit que, voilà, style, vous devez vous mettre à ses pieds, quoi. Comme si cette personne, personne l'égalait, quoi. Hein. Ouais. On parle d'intuition. De sensibilité. Ouais, cette personne manque de sensibilité envers vous. Hein. C'est pour ça, prenez votre temps. On parle du jour. Ouais, parce que à un moment, ben, il faut que il se réveille, on dit. Hein. Il faut que cette personne hein, se réveille également. Hop là. Ouais. On a le scorpion, le petit scorpion là. Pour moi, oui, il y a un moment, si cette personne doit revenir, il y a des limites à ne pas dépasser. Hein. Il faut lui mettre des limites à cette personne, on me dit. Il y a le prince charmant, embrassez-le sur la bouche, on vous dit. Donc voilà, il se croit tout beau, tout, mais finalement, voilà, c'est vous qui avez le pouvoir là dans cette histoire, on me dit du coup. C'est vous qui avez le pouvoir de dire oui ou non. Alors, il va se faire tout petit, hein, sans doute. Hein. Au bout d'un moment, il va être de moins en moins sûr de lui. Hein, parce qu'on a affaire à une personne qui était sûre de lui. Ouais, l'autre me tombe au pied. Elle ne peut pas me résister. Et là, en fait, hein, le fait de prendre votre temps, il va se dire, ou elle va se dire, bah mince alors. Hein, il va pas rester insensible, hein, du coup. Hein, il va se dire, mince. Ouais, je l'aime, mais là, je crois que j'ai fait une grosse bourde. Hein, avec. Ouais. Ouais, la bourde, c'est qu'il a voulu s'amuser sur plusieurs tableaux, jongler avec plusieurs. Et là, bah, du coup, on voit bien, il hein, y a une transformation. Hein.
il y a un grand changement, il y a une métamorphose hein, chez lui, parce qu'il se rend compte bah, que les autres ne comptent pas. Le fait de jongler entre plusieurs prétendants ou prétendantes, bah, c'est bien. Sauf que bah, du coup, il va perdre bah, celle qui compte le plus à son cœur, là. Hein. Donc là, il va réfléchir beaucoup, hein, et il va se transformer, hein. Ah, on a bien le choix, hein. Vous avez peut-être rencontré aussi, c'est pour ça que cette personne est jalouse. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, hein, et vous avez le choix. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps en fait de choisir, hein, de voir aussi si l'autre a changé, hein. Ok, alors je vais tout reprendre. On va continuer. Mais oui, vous avez le choix. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre ou vous allez rencontrer une autre personne. Hein. Ouais, parce que votre autre a laissé trop de temps passer. Trop de temps. Et du coup, vous. Eh ben, vous avez changé de direction. Vous avez continué votre vie. Vous avez décidé d'accueillir l'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui vous est arrivé. Ça vous a mis dans un grand bonheur. Et limite, ben vous avez retrouvé votre paix, quoi, dans cette histoire. Hein. Alors, attention que cet ex qui revient, on va parler d'ex, hein, qui revient. Que ça soit pas de la simple jalousie, hein. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'on vous dit prenez votre temps, parce qu'il aimait bien jongler quand même sur plusieurs tableaux, hein. Donc il faut qu'il puisse vous prouver qu'il a changé là, on me dit, hein. Qu'il a bien fait des transformations, hein. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui est rentré là. On a la petite poisson, mais on parle de quelqu'un de très compréhensif, qui sait ce que, bah, qui voit hein, ce que vous avez vécu, hein, et qui sait. Et on parle de fuite également. On me parle de fuite. Ouais, on a fui l'amour. On a eu peur de l'amour. On a une personne aussi qui était très influençable, qui avait peut-être écouté. On a vu là. Là, ce petit dragon là qui parle, c'est peut-être une personne aussi qui n'a pas écouté son intuition, qui a écouté une personne ou des personnes hein, qui est très influençable, qui a été influençable pour le coup et qui. Ouais. Je ne sais plus ce que je voulais dire, je suis désolée. C'est une personne qui était très entourée, très courtisée. On a l'orgueil aussi, hein. Une personne très orgueilleuse. Ouais. Il y a une moralité assez douteuse quand même hein, chez votre ex. Hein. Il a besoin vraiment de faire une transformation hein, par rapport à son comportement, on me dit. Ouais, le lama. Imprévisible. Garde un secret délicat. Attention de ne pas vous piquer avec les cactus là aussi. Hein. C'est ça le truc, hein. Et puis, il est imprévisible, en fait. Hein. Ou peut-être qu'il y a quelque chose d'imprévisible qui va arriver. Hein. Et vous n'allez pas vous y attendre. Hein. La princesse, le petit pois. Succès. En tout cas, vous avez le succès. Vous allez bien ressentir les choses. Hein. Vous êtes ultra sensible. Hein. Vous allez ressentir les choses. Hein, pour faire, et donc, vous allez faire le bon choix. Hop là. Alors, ça fait un petit peu beaucoup. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Donc là, il y a bien un ex qui va revenir. Mais prenez votre temps.
prenez votre temps. Ok. Ouais. On a le grand bonheur là. On a la vie en rose. Il y a le grand bonheur. Vous allez, vous êtes ultra sensible. Hein. Vous allez savoir choisir le bon chemin. Nous avons vraiment cette personne qui avait pris la grosse tête avec vous. Hein. Ouais. Très capricieux peut-être également. C'est lui qui voulait décider des choses. Hein. Et vous, bah, si vous aviez des envies spécifiques, il ne voulait pas vous répondre. Hein. Il voulait pas... Ouais. J'entends une personne qui n'a pas voulu vous rassurer également. Hein. Ouais. Il a pris la grosse tête, mais il va vite redescendre, on me dit. Hein. Il avait pris la grosse tête, mais il va vite redescendre. Et on a Saint-Nicolas. On vous dit que tu vas recevoir une grâce en cadeau, on vous dit. Hein. Ouais. Ouais. Vous, vous êtes tranquille, serein pour moi. Ouais. Vous allez accueillir vraiment avec sérénité. Hein. Les communications, vous, vous êtes dans un bon équilibre. Vous allez prendre le temps. Et voilà. J'ai la sensation que certains, vous pourriez recevoir dans la nuit hein, des messages ou un soir, hein, le soir ou la nuit des messages. Mais vous n'allez pas répondre forcément tout de suite. Vous, vous allez dormir tranquille et vous allez attendre le jour pour répondre à la personne. Mais cette personne va vouloir attirer votre attention. Parce que vous, vous n'allez peut-être pas vouloir répondre tout de suite. Hein. Vous allez prendre votre temps. Et vous avez bien raison. Ouais. Ouais, vous voyez. Hein. On vous espionne, hein. Ça c'est certain. Et vous voyez, hein, un moment d'arrêt que vous devez mettre à profit pour réfléchir et approfondir la connaissance de vous-même. Vous, vous prenez votre temps. Si vous avez besoin d'un arrêt, vous allez les prendre ce moment d'arrêt pour réfléchir. Voilà, c'est si cette personne s'est pas rendue compte que vous étiez importante pour sa vie, hein, et ben que vous étiez important ou importante, ben vous vous en avez pris conscience hein, en tout cas hein, que vous êtes votre priorité. Donc voilà. Vous, vous êtes sincère. Vous êtes très sincère. Mais il y a peut-être une certaine rancune hein, par rapport à l'autre. Hein. Vous, vous recherchez vraiment l'amour sincère, hein, véritable. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, voilà. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Un message pour vous, les Verseaux. Hop là. Occasion de pardonner, on vous dit, les Verseaux. Oui, pardonner pour mieux avancer, pour retrouver une certaine liberté, hein, lâcher prise aussi. Hein. Quand on pardonne, c'est surtout... Voilà. Moi, j'ai des Verseaux, vous n'avez peut-être pas accepté en fait ce retour parce que vous, vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Mais vous allez, ça va être l'occasion, et ça, cette personne, elle ne sait pas. Mais vous, ça va être l'occasion en fait de lui pardonner, de lui dire que vous lui pardonnez. Mais vous, vous allez accueillir l'inattendu. Vous, vous allez, voilà, aller vers le chemin qui vous semble le plus juste pour vous, on me dit. Alors, occasion de pardonner, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.